question. Et Jean-Michel. Salut tout le monde, c'est Fist le Brasseur. Aujourd'hui, on va brasser deux sortes de bières. Deux sortes de bières. On va faire une bière à la citrouille sans nécessairement utiliser d'épices comme tout le monde fait. On a utilisé des citrouilles, Jean-Michel, des citrouilles Moranga. Aujourd'hui, en plus, on brasse avec la Grandfather. On va brasser une saison romarin et poivre. Romarin et poivre. Fait qu'on va essayer de filmer les deux en même temps. Vous essayez de suivre sa vidéo. Si on n'est pas capable dans le montage, ben on va avoir un ou l'autre ou deux vidéos séparées. Mais on va essayer de faire ça vraiment, vraiment dynamique. Aujourd'hui, j'ai deux amis qui viennent brasser avec moi. J'ai Jean-Michel, qui est un ami que je connais depuis vraiment longtemps, depuis que j'ai commencé en électricité. Et j'ai un de mes clients qui est devenu un ami à force de venir ici, qui se trouve à être... Kevin! Bien ici, Kevin! Présente-toi! Enchanté tout le monde! Jean-Michel? Et Jean-Michel! Fait que c'est ça, on va brasser. Fait que vous allez les voir pas mal dans la vidéo travailler. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de pas travailler. C'est eux qui vont prendre ma place. Mettre une partie de celle-là ici. Ouais. Dedans. Par la suite, on va mettre les citrouilles. On va mettre le reste, puis on va brasser. On brasse pas entre les deux. Non, tout de là, on brasse. Non, c'est ça. Fait qu'il y en a un qui va brasser. Ça fasse des motons. Il y en a un qui va brasser, il y en a un qui va mettre le sac. Okay, fait que Thomas, par lui. On commence, non, on commence par le gros pot, ouais. Fait qu'aujourd'hui, ça va bien, je suis avec du monde pour m'aider. Fait que pendant qu'on va brasser, on va mettre la graine, on va pouvoir brasser en même temps. Oups, je vais bouger pour maintenant. Orange, citrouille, que j'aime ta couleur, citrouille. Pas facile, on a mis 16 kg de pelle d'inomal, on a mis 3 kg de flocons d'avoine, on a mis 2,5 kg de cararède, 2 kg de mélanoïne, 1,75 kg d'aromatique malte, 1 kg de carafone, puis 0,5 kg de caramel 60. Avec la citrouille, ça va nous donner vraiment une couleur orangée, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le but visé, c'est d'avoir tout le temps une belle couleur. Puis par la suite, on va sortir tous les sucres. Comme vous avez vu, on a mis la citrouille dans notre mâche parce qu'on veut garder les sucres de la citrouille pour faire une formation enzymatique avec aussi, vu qu'il devrait avoir beaucoup de sucre dans notre citrouille. Fait que là, on a un petit problème. Il y a un élément qui vient de sauter dans le système. On est à 138 au lieu d'être à 170, fait que ça va modifier un petit peu la bière. On va avoir une bière plus sec peut-être. Une chance qu'on a rajouté des flocons pour nous aider. Fait qu'on est obligé de brasser un peu.
Fait que la couleur commence à être pas si pire. Je sais pas si vous la voyez bien. Ça commence à être une belle couleur. Une petite bière à citrouille, une petite orangée, ça va être parfait. Pas la possible. Ça va tout décourager, pour petit loup. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on a un circule? On s'amuse avec des pièces. C'est un thermomètre de son affaire, mais il veut quand même la prendre à la main. Alors, après environ 1 heure et demie de marche, on a enfin réussi à atteindre notre formation asthmatique. Comme quoi que n'importe qui peut avoir de la difficulté. Merci Jean-Michel de faire du bruit pendant que je parle. Excuse, tu m'as demandé de laver ça. À ôter les houblons. On a ôté le croissant qu'il y avait au-dessus, avec la petite mousse. On est rendu à mettre les houblons. Pour cette fois-ci, on va utiliser du Columbus, un petit 56 grammes. Puis après ça, on va parler un petit peu de l'importance d'écumer ou pas. C'est quoi la différence? 56 grammes d'amertume dans notre bonne bière au citrouille. Grammes de poivre noir et un peu de zaz. L'importance de bien laver le système et les fermenteurs avant de mettre la bière dedans. Alors explique à Jean-Michel qu'est-ce que tu es en train de faire présentement. Je suis en train d'aseptiser les contenants. Avec quoi? Avec du Star Sand. Puis c'est quoi le Star Sand? Ça c'est une bonne question. C'est un acide. Les jeunes de nos jours, tout le temps en train de texter. Ça 90% de la vie d'un brasseur, le nettoyage. Non mais, il fait-tu 25 à peu près, hein? Pour une fois, c'est pour moi qui tape toute la job. Minutes avant la fin, on rajoute. Tout en même temps. Fait 15 minutes avant la fin, on va rajouter le teenager. On le coupe, on l'ajoute, puis dans 5 minutes, on va rajouter la caragénile. Si vous vous demandez pourquoi j'ai jamais le temps de vous montrer tous les houblons, c'est justement à cause du coq que vous avez entendu.